Ami tireur, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette seconde partie du banc d'essai des fusils à pompe à canon rayé pour faire un petit peu la conclusion des différents tests que nous avons effectués. Alors c'est en fait un domaine extrêmement complexe. On s'est lancé dans quelque chose quand même qui était beaucoup plus complexe que je le pensais. On n'a pas tout fait, mais on a essayé quand même de faire quelque chose d'assez complet. Donc on a fait plusieurs essais avec Jean. Je vais vous parler des cartouches, des cibles, des résultats que nous avons obtenus et de ces deux armes que nous avons comparées, des modèles qui sont très différents, mais les résultats sont à peu près les mêmes. Que le canon soit un petit peu plus long ou un petit peu plus court, ça change en fait pas grand-chose, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Alors les munitions pour le tir à balle, il y a vraiment une très grande variété de munitions. On n'a pas tout essayé bien sûr, parce qu'on ne pourrait pas. Ça serait vraiment impossible et puis ça coûterait très cher parce que les munitions pour le tir à balle coûtent cher. Mais j'ai quand même testé un panel assez représentatif de ce qu'on peut trouver sur le marché. Alors au niveau des munitions à balles, les plus connues et les plus courantes, ce sont les Brennec. Alors voilà par exemple FOB qui fait une munition à balles Brennec. Alors les balles Brennec, elles sont très faciles à reconnaître. Elles sont des cannelures qui permettent de leur donner un mouvement de rotation, mais en fait beaucoup de tireurs pensent que c'est ce mouvement de rotation qui va stabiliser la balle, mais je pense que c'est faux. Ce mouvement est très très faible, ça ne leur permet pas de tourner à très grande vitesse comme dans un canon rayé, et en fait ce qui stabilise surtout la balle, c'est l'empennage. Cet empennage qui est fixé par une sorte de vis parker et qui, là c'est une bourre en feutre qui reste solidaire de la balle pendant tout son parcours. Vous la retrouvez dans la butte de tir, très profondément enfouie, elle est très solidement fixée, et c'est ce qui permet donc, puisqu'on a un poids plus important à l'avant, un petit peu comme une flèche ou comme une fléchette, de stabiliser cette balle. Donc voilà une balle Brennec. Voici une balle qui n'est pas une balle Brennec mais qui s'en rapproche, la Rottweil Exact. Alors elle a une forme un petit peu différente, elle a vraiment deux rayures, là aussi fait pour tourner pour que la balle tourne, mais je pense là encore qu'elle ne tourne pas très vite, et ce qui compte c'est surtout son empennage. C'est son empennage là qui compte en fait, qui est en plastique, c'est un petit peu comme les godets qui renferment les plombs, qui permettent de bien tenir la germe groupée. À la différence quand même que dans les cartouches à grenaille, le godet est tout de suite éliminé, il permet juste de grouper les plombs en sortie de canon, alors que là, ça tient, c'est parfaitement fixé, donc cet empennage, il va rester, il va accompagner la balle pendant tout son parcours. Et d'ailleurs, si on veut mesurer le poids de la balle, le poids exact de la balle pour voir quelle est l'énergie par rapport à la vitesse de sortie de touche, il faut tenir compte de cet empennage, exactement comme pour les Brennec, il faut aussi tenir compte de la bourre, puisqu'en fait ça accompagne la balle. Donc ça, c'est pas une balle Brennec, elle s'appelle Exact, mais c'est le même principe en fait. En revanche, un petit peu étonnant, là, les Soloniac, c'est des balles qui sont bon marché, on va dire. C'est aussi des balles Brennec, mais qui ne disent pas leur nom. Ils les appellent Slug. Or, c'est pas ça une balle Slug. Ça, c'est vraiment une balle de type Brennec. Elle a, elle aussi, un empennage en plastique qui est complètement solidaire de la balle. Vous ne pouvez pas l'enlever, qui va partir avec la balle. Donc c'est exactement le même principe, et c'est pas une slug en fait. Une slug, en voilà une. La Remington Slug. Là, vous avez aussi une bourre, deux bourres même, mais qui ne sont pas du tout solidaires de la balle, qui elles vont disparaître dès le départ. La balle va partir toute seule. Et cette balle, elle est creuse. Et
Elle est lourde quand même, elle est pratiquement aussi lourde que les balles Brennecke, ça n'empêche pas. Mais c'est une balle creuse avec aussi des cannelures pour la faire tourner. Elle va être stabilisée grâce à son centre de gravité qui est reporté vers l'avant. Alors il n'y a pas un empennage vers l'arrière, mais elle est vide vers l'arrière. Ça veut dire que son centre de gravité est donc nettement déplacé vers l'avant et c'est ça qui va la rendre stable. Ces balles Sox sont particulièrement intéressantes parce que c'est les seules, à mon avis, qui sont généralement assez précises dans des canons rayés. Contrairement aux autres balles, elles conviennent pour les canons lisses et très bien aussi pour les canons rayés. Ensuite, on a des munitions encore très différentes. C'était là. On a des munitions très différentes, par exemple les balles flèches Sauvestre. Alors c'est une munition assez complexe. En fait, elle va sortir, elle a un manchon en plastique, mais ce manchon ne va pas accompagner la balle tout au long du trajet. Il va tout de suite être écarté par la résistance de l'air. Et donc, un petit peu comme une fusée, on va voir les premiers étages de la fusée qui va disparaître. Et la fusée va partir toute seule. Alors c'est vraiment une fusée, elle est lourde et elle est sous-dimensionnée. Ce qui la rend très rapide et extrêmement performante bien sûr, mais perforante aussi. Là aussi, il y a un empennage en plastique qui est complètement solidaire de la balle. Ça, c'est la balle flèche. Nous avons aussi Winchester qui fait une balle sabot. Alors là aussi, la bourre va être éliminé et le godet va être aussi éliminé. Il ne va pas accompagner la balle. Il va s'ouvrir avec la force la pression du vent. Et la balle, donc c'est une énorme balle, ça doit être du calibre 50 à peu près, avec une tête en téflon, balle en plomb chemisée, qui va donc, là aussi, elle est sous-calibrée, et donc elle va être assez performante à longue distance. Par contre, le problème se pose, est-ce qu'elle va tourner? Je ne pense pas que ça la fasse beaucoup tourner, son godet, et donc elle ne va pas être très stabilisée. C'est une grosse balle que vous tirez avec un canon lisse, quasiment, à mon avis. Donc ce qui fait que la distance avec laquelle on peut espérer avoir une bonne précision sera quand même limitée. Par contre, l'efficacité sera là aussi. Il y a un troisième type de balle bien particulier, mais là je ne vous la montrerai pas parce que j'ai tout tiré, il ne m'en reste plus. C'est les balles FIR. FIR ou FIER, je ne sais pas comment on prononce, ça n'a pas d'importance. Ces balles sont bien particulières, très performantes aussi et très perforantes. En fait, c'est des flèches d'art en laiton avec dessus un chemisage en plomb donc qui lui donne aussi du poids vers l'avant. Et tout ça, c'est noyé dans un conteneur en téflon. Et tout ça, c'est solidaire. Le conteneur en téflon, il ira jusqu'à la cible. Arrivé à la cible, le conteneur va être retenu, le plomb aussi, bien souvent, mais le dard, la flèche en laiton, va traverser. Donc vous avez une balle qui va forcément traverser, qui va faire beaucoup de dégâts et qui va traverser. FIR, ça fait partie de ces munitions extrêmement de haute technologie, mais qui coûtent quand même assez cher, bien sûr. Alors, on va maintenant parler des résultats, en précision, des tests que nous avons obtenus. Alors, vous l'avez vu sur la vidéo, Jean a fait un premier test avec les deux fusils à la distance de 20 mètres, en faisant deux groupements de 5 coups à 20 mètres. C'est tout à fait correct, ces groupements, mais on est seulement à 20 mètres. Jusqu'à combien peut-on tirer avec les balles tirées dans un canon lisse ou rayé? Je pense que 50 mètres, c'est quand même le maximum. Je crois qu'on considère généralement que la distance optimale, c'est 35 mètres.
50 mètres, c'est un petit peu limite. 25 mètres, on a d'excellents groupements à 25 mètres. 50 mètres, c'est un petit peu limite. Et moi, j'ai choisi de faire tous les groupements à 50 mètres. C'est un choix, ce qui explique que les groupements ne sont pas fabuleux parce qu'on arrive quand même à la limite de la munition. On aura bien sûr des groupements au moins deux fois plus serrés, mais généralement même bien meilleurs à 25 mètres. Donc ça, c'est ce que Jean avait obtenu. Ensuite, je suis passé à 50 mètres et là, j'ai eu quelques surprises parce que le problème de toutes ces munitions, c'est qu'en fait, elles ne portent pas toutes au même point, elles ne portent pas toutes au point visé. Alors, j'ai fait quand même quelques essais préalables, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de différence notable entre les deux, entre ces deux fusils qui ont donc des longueurs de canon très différentes. Il y en a un qui fait 45 cm, l'autre qui fait 65 cm. Ça ne joue pas sur la précision, ça joue même assez peu sur la vitesse. J'ai fait des mesures au chrono, au niveau de la vitesse, avec le canon court, on perd au maximum 5%, entre 3 et 5%, c'est vraiment très peu. Au niveau de la précision, on ne gagne rien non plus. Alors du coup, j'ai fait quasiment tous mes tests, j'ai fait tous mes tests avec le Winchester. Pourquoi ? Parce que l'ATSAN a des éléments de visée. Ça, c'est très bien. Sauf quand même que ces éléments de visée, ils sont vraiment faits pour le tir à courte distance, pour le combat. Vous avez deux points verts qui sont des fibres optiques et un point orange qui est une fibre optique. Donc on peut aligner trois points. Sauf que les deux points verts sont de chaque côté de l'œilleton, qui lui-même est très très large l'œilleton. Donc c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout pratique pour le tir de précision. L'œilleton est aussi très 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 ouvert. On ne sait pas très bien comment mettre le guidon au milieu de cet œilleton. C'est parfait pour le tir rapide, mais c'est pas vraiment adapté pour le tir de précision. Je préfère finalement 100 fois le Winchester. On a une visée très simple, c'est la bande ventilée et le petit grain d'orge au bout du canon, au bout de cette bande ventilée. Ça permet de prendre très très bien sa visée, même en hauteur. On a des fois de très gros écarts en hauteur, mais ça vient de la munition, ça vient pas de la prise de visée. À 50 mètres, il n'y a aucun problème pour prendre correctement sa visée avec ce genre de fusil. Et pourquoi j'ai choisi celui-là aussi, c'est parce que au moins j'ai une référence. L'autre, ça va dépendre du réglage, puisque c'est réglable. Là, on a vraiment une référence, on vise avec le canon. Si on est dans le centre de la cible, c'est que la munition correspond vraiment au réglage initial de n'importe quel fusil de chasse. Si on est beaucoup trop ou beaucoup trop bas, c'est que cette munition doit lui apporter à l'arme une correction. Or, ce sont des armes, la plupart du temps, qui n'ont pas de visée réglable, donc ça pose quand même un problème. Donc c'était intéressant d'avoir une référence et de prendre ce Winchester pour faire les tests. La plus mauvaise, alors je vais commencer par les plus mauvais résultats pour aller après vers les meilleurs. Plus mauvais résultat finalement, mais surtout parce qu'on n'est pas du tout au point visé, c'est avec justement les balles flèches Sauvestre. Balles flèches Sauvestre, pourquoi ? Parce qu'on est 28 cm en dessous du point visé. Je vise ici et à 50 mètres, je suis là. Bon, le groupement, je ne peux pas vous le montrer, je vais le faire en inclusion parce qu'il était hors cible. Il n'est pas vraiment plus mauvais qu'un autre. Enfin, si, il est quand même pas très bon. J'ai 188 mm d'écart maximum. C'est pas merveilleux. Mais c'est pas du tout catastrophique. Le seul ennui, c'est que je suis beaucoup plus bas. À tel point, c'est pas heureusement le premier groupement que j'ai fait. C'est le cinquième ou sixième groupement que j'ai fait et j'ai explosé mon chrono. Oui, c'est un bon essai qui va me coûter très cher. Le chrono n'a pas du tout aimé de recevoir une balle Brennec en pleine face. Et ça se comprend. Donc le pro chrono a dégagé, il a explosé. Alors, voilà le résultat. Donc, avec ces Sauvestre balles flèches.
Ensuite, une autre munition qui ne porte pas tout à fait au point visé, mais cette fois-ci, on est nettement plus haut, c'est les Winchester. Et on comprend très bien, parce que c'est une munition tout à fait spéciale, une balle quand même un petit peu plus légère, une balle dans un sabot, sous-calibrée. Et là, on est à peu près 20 cm au-dessus du point visé. On a un groupement qui fait 100. Alors très souvent, on a un flyer sur les 5 coups qui va ruiner le groupement. Mais le flyer ne vient pas d'une erreur de tir, il vient de la munition. Là, par exemple, on avait 4 coups dans 90 mm, ce qui est pas mal du tout à 50 mètres, mais 170 mm d'écart maxi si on compte le cinquième. Donc voilà ces Winchester qui, par contre, sont très puissantes. On a quand même 3137 joules, 568 mètres secondes à la bouche. C'est quand même des chiffres éloquents. La balle Sauvestre, on avait 470 mètres secondes à la bouche et 2845 joules. C'était pas mal non plus. Ensuite, j'ai les FOB Breneck, un groupement qui aurait été bon s'il n'y avait que ces quatre-là, et puis ruiné par un cinquième. Là, j'avais 120 mm, et puis là, j'ai 230. C'est dommage. Sinon, je suis à peu près au point visé. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Dommage qu'il y ait un flyer. Un petit peu la même chose avec les Soloniac Slug. Soloniac Slug, on a dit que c'était pas des slugs, c'était plutôt des Breneck en fait. Là encore, 4 coups qui étaient bien dans le centre cible et puis un cinquième. Mais on voit bien là tout de suite, on le voit très bien, que les balles ne sont pas stabilisées à cause du canon rayé. Il y en a 3, au moins 3 sur les 5 qui sont arrivés complètement de travers. Ça n'arrive pas avec un canon lisse. J'ai fait les essais avec un canon lisse, les balles n'arrivent pas en travers. Par contre, je n'ai pas obtenu de meilleurs résultats avec le canon lisse. J'ai obtenu exactement la même chose. Donc, bon, c'est pas les meilleurs, à mon avis, du moins dans l'arme que j'essaie. Alors là, on arrive quand même à des choses plus intéressantes qui correspondent à ce qu'on est en droit d'attendre dans un tire à 50 mètres avec un fusil de chasse en calibre 12. Là, on a les Remington Slugger. Alors, j'ai dit, donc la balle slug, effectivement, creuse à l'intérieur. Mes 5 coups sont quasiment dans le centre cible. Je suis tout près du point visé. Et j'ai un écart maxi de 130 mm. À 50 mètres, je crois que c'est tout à fait acceptable. Autre très bon résultat, les Rotwell Exact, qui sont comme des Breneck, mais avec une forme quand même très différente, forme d'hélice un petit peu. Là, c'est quasiment parfait, parce que je suis tout près de mon point visé, je suis dans 124 mm, et même 70 mm si je compte les 4 meilleurs. Là, c'est parfait, 50 mètres, c'est quand même pas mal pour une arme, pour ce genre de fusil. Et les meilleurs, le meilleur groupement, mais qui n'est pas par contre tout à fait au point visé, c'est avec les balles FIR. Là, on a 105 mm d'écart maxi, et encore sur les 5, il y en a 4 qui sont quand même très bien groupés. Donc ces balles FIR, c'est le meilleur groupement, mais ça n'est pas véritablement au point visé. Il faut le savoir. Il faut quand même avoir fait des essais au préalable pour savoir exactement ce qu'on tire et où on doit tirer. L'idéal, c'est quand même de ne pas avoir besoin de faire de correction, surtout si on a une arme dont la visée n'est pas réglable. Alors ensuite, on a voulu quand même voir avec Jean si on pouvait tirer autre chose que des balles dans ces canons rayés. On a essayé de la chevrotine.
chevrotine 9 grains. Et on a été assez surpris parce qu'au début, on s'est mis à 12 mètres, il n'y en avait pas une dans la cible. À 7 mètres, il n'y en avait toujours pas. Et il a fallu se mettre à 5 mètres pour là les voir apparaître. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles sont tout autour. C'est-à-dire que le canon rayé, par la force centrifuge, va amener toutes les balles vers l'extérieur. Et on a donc ces 9 chevrotines qui sont dans un rayon de 40 cm. 5 mètres, c'est vraiment tout près. Ça veut dire que si on est à plus de 5 mètres, elles ne sont pas du tout dans la cible. On ne peut pas vraiment tirer des chevrotines dans un canon rayé, ça ne présente aucun intérêt. C'est la même chose pour des grenailles. On a tiré de la grenaille de la club à Winchester Club AA, 1270, plomb de 7,5, donc quelque chose de tout à fait standard, à 5 mètres. Alors j'en ai compté, je crois, 394. Bon, il doit y avoir 400 plombs dans la 400 petites plombs dans la cartouche. Là, j'en ai compté 394. Donc ils sont tous là dans la cible C50 à 5 mètres. C'est vraiment très près, 5 mètres. Si on se recule, ils seront plus tous dans la cible. Pour donner un ordre d'idée, voilà, là j'ai fait un autre test avec cette fois-ci un riot gun Mossberg Maverick avec un canon court, 48 cm, un canon lisse, il n'est pas rayé et en plus il n'est pas choqué. Donc on a vraiment quelque chose qui ne resserre pas spécialement. Et pourtant, vous voyez là, les 400 plombs de la petite cartouche de 7,5. Ils sont dans 20 cm. Là, ils étaient dans 50 cm. C'est le jour et la nuit. Ça veut dire qu'on ne peut pas du tout tirer de la grenaille dans un canon rayé. Alors c'est un petit peu embêtant quand même, ces canons rayés, c'est vraiment pour répondre à la législation française, bien française d'ailleurs. En quoi est-ce qu'un canon rayé est moins dangereux qu'un canon lisse? J'aimerais bien qu'on me l'explique. Par contre, ça rend les armes beaucoup moins polyvalentes. On l'a vu pour le tir à balle, on ne gagne rien, et on ne peut plus tirer à chevrotine ni à grenaille, en fait. Et en plus, les fabricants ne vont pas rayer les armes spécialement pour la France, la plupart des armes qui arrivent en France ne sont pas rayées. Donc les armuriers sont obligés de les envoyer à Saint-Étienne, qui vont rayer les canons et qui vont les repasser au banc d'épreuve. Et tout ça, ça a un coût. Ça veut dire qu'on paye plus cher ces armes à canon rayées. Mais bon, je ne peux pas refaire la législation, malheureusement. Alors, quand on dit que ce n'est pas polyvalent, on peut tirer qu'à balle, mais alors, du coup, Jean m'a dit que ça doit être intéressant de tirer des gomme-cognes, parce que là, c'est une grosse balle au calibre, et ça doit bien prendre les rayures. Et il a raison, on a tiré des gomme-cognes, alors c'est des anciennes gomme-cognes qui étaient réservées aux forces de l'ordre, celles qu'on trouve en armurerie maintenant sont beaucoup moins puissantes, et elles sortent quand même à 475 mètres secondes, avec des très gros écarts par contre. Des très gros écarts, j'ai 49 mètres secondes d'écart type, d'écart pondéré, donc c'est énorme. Mais ça ne joue pas sur la précision puisque c'est fait vraiment pour tirer à courte distance. Là, on a tiré 5 coups à 10 mètres. 10 mètres, c'est la distance normale pour se défendre. Il n'y a pas un couloir ou une pièce de la maison qui fait plus de 10 mètres. Et si l'adversaire est à plus de 10 mètres, notre vie n'est pas en danger. Et là, on a vraiment un groupement. Je suis dans 30 mm là. Ce qu'on voit là, jaune, c'est les bourres en fait. À chaque fois, la bourre, elle va traverser la cible à 10 mètres. Mais les balles, elles sont là. Mes 5 balles, elles sont là. Donc les gomme-cognes, malgré leur différence de vitesse énorme, elles sont très très précises dans un canon rayé. Alors sinon, on a vu donc ce modèle. On va parler un petit peu des armes maintenant. Ce modèle Hatzan, moi je l'aime beaucoup. Je trouve très intelligemment fait, très sympathique au niveau du look et au niveau aussi de la prise en main. Donc on peut rajouter 2 cartouches là. On a un répicatiné au-dessus, un répicatiné en dessous.
On a eu une petite mauvaise surprise à un moment donné, parce qu'on se disait toujours, hein, une arme turque, ça va peut-être pas être solide, on va peut-être avoir des problèmes. Et effectivement, à un moment donné, on a eu un problème, on a eu le radiateur qui a sauté. Mais j'ai identifié ce problème. Le petit défaut de cette arme, si vous voulez, c'est qu'en fait, il y a un bouchon ici qui se visse sur le magasin et qui sert à la fixation du canon. Normalement, sur le Mosberg Maverick, par exemple, quand on tourne ce bouchon à la main, on entend clic, 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 clic. Et vraiment, il y a, une fois qu'on l'a bien serré, il y a une résistance. Il faut forcer pour arriver à le desserrer. Là, on n'entend rien du tout. Il n'y a pas apparemment de clic qui permet vraiment de verrouiller, si bien qu'en cours de tir, ça va se dévisser. Et comme le radiateur en fait est fixé juste par deux petits tenons qui rentrent dans la carcasse, si ça se dévisse, si le canon avance un tout petit peu, le radiateur va sortir. Donc j'ai redressé, remis en place le radiateur, et cette fois-ci j'ai fermé ce bouchon avec une pince. Alors c'est pas très pratique parce qu'on peut plus démonter l'arme à la main, mais au moins on n'a pas besoin de vérifier à chaque tir si ça s'est pas dévissé. C'est le seul défaut que j'ai trouvé à cette arme, qui par ailleurs fonctionne très bien et vraiment rapport qualité-prix me semble intéressant, vraiment un look très intéressant. Et des éléments de visée parfaits pour tir rapide à courte distance. Alors le Winchester, c'est quelque chose de très, très classique. Il a une grosse différence par rapport aux autres, c'est la tête de culasse rotative, avec un verrouillage donc extrêmement robuste. C'est très satisfaisant sur le plan technique. C'est pas indispensable sur le plan mécanique. Il y a des tas d'armes qui n'ont pas de culasse rotative et qui fonctionnent très bien. Maintenant, c'est quand même un plus. C'est vrai qu'on a forcément une plus grande résistance. Et c'est quand même du très beau matériel. Donc voilà, c'est un choix classique ou tout à fait militaire, aspect militaire. Voilà, amis tireurs, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de nous être fidèles. Et puis, bon tir.